terrible. C'est vraiment terrible. Mais bon. Au moins, c'est passé. Oh, cinématique. On vole. Ah, ah. C'est un shoot them up. Non, je suis nul au shoot. C'est vraiment un shoot them up. Alors, attends, concentre-toi, Val. C'est peut-être pas dur. C'est peut-être pas si dur que ça. Parce que je suis nul à chier en shoot. Et c'est vraiment terrible. C'est un des genres de jeux que je... On n'aime pas du tout. Et c'est pas faux d'avoir essayé, hein. Le seul que vraiment j'ai bien réussi à jouer, c'est Cloud Master. Et encore, c'était vraiment une tannée. Sur Master System, bien sûr. Mais ça va. Après, c'est le genre de jeu d'une génération, hein. Je sais que les gens de mon âge ne jouent plus du shmup, hein. C'est fini, ça. Et ça, ça rappelle un petit peu quand même Wonder Boy 3, Monster Lair, donc le fameux shoot qui avait ça aussi. Toute ressemblance ne serait que fortuite et je suis sûr et certain que ils l'ont fait comme ça, en y pensant. Oh, on peut faire, oh, on peut lancer les flammes comme ça, c'est cool. Forgotten Wars aussi, c'est vrai. Tout le monde se souvient de mon One Life de Forgotten Words que j'avais fait en live. Eh, hey, quand même, un shoot the map que j'ai fait en live et en One Life. Hein. Mais le jeu était franchement facile. Le jeu était franchement facile. Fallait juste bien voir le truc et ça passait bien. C'est quand même vachement. Ouais, j'allais dire, c'est quand même vachement long le passage. Mais on avance. Hein. Ouais. Loul, ça c'est drôle par contre. Ikaruga sur Mega Drive et Dreamcast aussi. Moi j'ai découvert sur GameCube. C'était sur GameCube et c'est magnifique en tout cas. Il y a le passage, ça me fait beaucoup penser à, par contre à Gedarius. De ce passage là où tu passes de. Avec l'océan et tout, c'est vraiment magnifique. Donc Gedarius sur PlayStation, hein, pour ceux qui connaissent. Donc la jaquette est toute rose. Il y a vraiment... Ah non, ça, si. Ça, c'est une référence à Wonder Boy 3 et Dragon Slayer. C'est sûr, t'as le même putain de boss. T'as le même boss. Ça, c'est une référence à... Oh non, non, mais là... Là, non, là, c'est trop. Là, ça, c'est une ça, c'est sûr et certain que c'est une référence à Wonder Boy 3. C'est le même... Le même de chez même. Je trouve ça marrant. Bon, par contre, je vais mourir. Que je suis mauvais. Et surtout qu'il fait. Mes boules de feu font zéro. Hein. Je suis nul à chier en shoot. Et je vous l'ai dit 50 fois. Ça va être chaud. Hein. À moins que je fasse du beau jeu. Et c'est Fantasy Zone que j'aimais bien aussi sur Master System. Ça va être trop. On reprend où? On reprend là et je... Ah, ok, j'ai une potion, j'allais dire. Et sans potion, ça va être très compliqué. Par contre, là, il donne de la thune. Oh, il donne tout. Oh là là, il me donne toujours 10 de thune. Écoute, on va regagner de l'argent. Ça va être chaud. Putain, c'est vraiment le moment de me mettre un shmup. Et même pas un moment de répit, quoi. Même pas un moment de répit, non, et te mettre direct un shmup tout de suite. Ok. 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 Ok, ça va être chaud. C'est de se concentrer, hein. Oh, ça va, en vrai c'est facile. Oh non, mais ça c'est trop Wonder Boy 3. Mais il était plus facile de souvenir le poisson que ça battu. Il y a de la thune? Oui, il y a de la thune. J'avais un doute s'il y avait de la thune. Je veux la thune. Non, la thune.
La thune! J'ai pas eu la thune! Eh ben, je l'ai dans le cul. Je l'ai dans le cul. Il y avait plein de thunes que j'ai pas pu avoir. Eh ben non. J'ai les boules. J'ai trop les boules. Maintenant, nous sommes deux frères dragons. On pourrait s'appeler les doubles dragons. J'applaudis. Ah, j'applaudis pour la blague. Ah, on applaudit là, franchement. Ça, c'est bien. Ça, c'est marrant, par contre. Ou un truc du genre. Être capable de voler sera utile. Fais voir ce que tu as dans le ventre. Oh ouais, non, mais on peut voler maintenant, c'est bon, c'est fait, c'est fini. Le jeu, maintenant, on peut voler, on peut cracher des flammes. Et on m'a volé mon... Ma capacité de cracher ? T'es encore prêt, t'es pas encore prêt pour ce truc, tu comprendras plus tard, crois-moi, un clin d'œil. Eh, c'est à moi ! Et voilà, je m'en occupe. Et ben non, on va falloir les sauver. Désolé, j'ai essayé de suivre. Non, mais bien sûr. Moi aussi, je suis déçu, mais tu devrais plutôt te concentrer sur ta quête principale pour le moment. Pourquoi ne pas monter en haut de la tour et parler à Monsieur Hoots ? On dit qu'il possède un immense savoir et même un télescope géant. Ça sert à rien, mais bonne idée. Je veux garder le cap sur la recherche des orbes. Tu penses que je peux monter tout en haut de la tour sans talisman ? Absolument, ce n'est pas aussi haut que ça en a l'air, mais crois-moi. Ok, je vais rendre visite à Monsieur Hoots alors. Ok, le scénario... Pose F, là, par contre. Ok. Et 65% de la carte, hein. Par contre, on peut toujours voler. Mais on... Attends, on peut voler, mais on peut toujours cracher. Bah, ça va à quoi, alors, son truc? Juste à cracher des flammes? Juste à avec un, avoir un lance-flamme? C'est pas ouf, hein, comme truc, mais pourquoi pas. Donc, allons-y, hein. Et à quoi? Attends deux secondes. Ah, merde, je peux plus voler! Ah, pour oui, pour voler, ça demande du stamina. Ah ouais, mais c'est con, ça. Ah, mais je peux pas. Je peux pas voler très haut. Attends deux secondes. Ok. Et là, c'est pour quoi? Flamme, hein. Je crois, hein. Non, c'est pour bombe. Voilà, allez, laisse tomber. Hop. Voilà, c'est laisse tomber, on peut pas. Mais la musique épique de l'endroit, c'est ouf. Le machin, c'est over the top. Calme-toi, le jeu. Calme-toi. Chaque goutte que révélera un trésor non découvert dans les régions que tu as visitées. Vends une goutte irisée pour 100. Non, on peut pas. On peut pas les balancer les 5. Parce que tu es obligé d'avoir les 20 d'un coup. Je l'ai déjà fait plusieurs fois et je me suis déjà fait baiser. Bah écoute. Je vais tout dépenser. Hein. Non, attends. Ça c'est un piège. Si je fais 5, ça fait quoi? Ouais. 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 Ah ouais. Et il y a plein d'endroits que j'ai pas. Attends, il y a vraiment plein d'endroits que j'ai pas fait. C'est où? Dans le volcan? Là, il y avait un trésor. Je l'ai pas vu. Là, il y avait un trésor. Ouais. Et là, alors je veux bien qu'ils mettent. Là, il y a des. Oui, attention, il y a des secrets là. Non, sans blague. Ouais, je pense qu'on s'est fait. Oh, on s'est fait carotte. Ouais, effectivement, parce que là, en vrai, j'aurais pu les avoir plus facilement en faisant la carte, tout simplement, mais pff, je savais pas. Je ne savais point. Du coup, bah, on y va. Et on a quasiment fini le jeu en vrai. Il manque une orbe et c'est fini. Puis après ça. Ça s'est passé. Ça s'est passé, Benjamin. On se retrouve ici hier, comme d'habitude. Des bisous à toi. Et à la prochaine. Alors, qu'est-ce qu'il va me dire? Excuse-moi, monsieur Hoot, quelque chose ne va pas? Hein, comment tu peux me confondre avec un homme aussi sage et cultivé que mon cher maître? Pardon, monsieur. Quelque chose est arrivé à monsieur Hoot. C'est pour ça que vous êtes si triste. En fait, Sniff, c'est tout à fait ça. Monsieur Mysticat et sa garde ont capturé mon pauvre maître et l'ont jeté en prison. C'est terrible, mais pourquoi a-t-il fait ça? Simplement parce qu'il a refusé de partager ses connaissances à propos des orbes sacrés. Quoi? Moi qui pensais que monsieur Mysticat voulait les orbes pour aider tout le monde, mais maintenant, je n'en suis plus vraiment sûr. Non, mais c'est vraiment un salaud fini depuis le début, mais t'inquiète pas, ça fait rien. Je suis juste inquiet pour mon maître. Sniff, tu peux pas l'aider? Eh bien, je pourrais être tenté de convaincre monsieur de le relâcher. Merci!
Bisous. Et du coup, on revient au village, c'est ça le truc? Oui. Quel est le joli le niveau, le passage. C'est joli. C'est joli, mais imaginons que je tombe. On peut pas tomber, non, tu peux pas tomber. Et bah du coup, on y va. On y va. Combien de temps de live? Ah oui, 3h30 quand même, hein. Bon, je couperai le truc en deux, en vrai. Donc pour ceux qui sont sur YouTube, je pense que vous avez... Je pense que je l'ai découpé au moment où il y a eu le shoot. Donc, coucou à vous. On avance, en tout cas. On avance bien. Ça sert à rien que j'aille chercher le... Je pense que ça sert à rien que j'aille chercher les équipements de glace. Vu que je vais avoir des nouvelles armures et tout. Donc... Parlons à lui. Monsieur Mysticat, je dois vous parler. Et il m'a fui. Il m'a 100% fui avec ses pagouins. Eh, hey, il y a définitivement quelque chose qui cloche avec lui, je ferais mieux de le suivre. Bah écoute, je suis un dragon. Tu sais que t'es dans la merde. Et il faut aller... Dans les égouts. Oui, je peux voler maintenant. Peut-être des secrets. Attends deux secondes. Il y a vraiment des beaux secrets ou pas? Ah, mais je peux pas voler tout le temps. C'est terrible. Parlons ça. J'espère que le hibou va bien. Oui. Et c'est là qu'il faut aller ou pas? Parce que là, il y a un tunnel. Hein. Château. Ok. Je pense pas que c'est au château qu'il faut aller. Enfin, je pense pas non plus que c'est dans les égouts qu'il faut aller. Deux secondes. Imaginons que je vais dans les égouts. Mais il y a moyen que ce soit ça, en fait. Attends, allons par là. Dans le doute. Ah, mais non, il y a le pont-levis. Donc, je peux... Ah, mais il est ouvert. Bon, on y va. On explore. C'est peut-être pas là qu'il faut aller, mais on y va quand même. Château de Lupia. Oui. Ah, bah, c'est là. Ah, bah, si, c'est là qu'il faut aller. Il y a les pingouins. Alors, tapons les pingouins. Là, c'est mort. Oui, non, c'est complètement mort, même. Ah, surtout, c'est mort, et surtout que je savais pas ce qu'il fallait faire. On attend deux secondes. Donc. Je vous ai envie de. À Prini. Prini qui est pas mal. Sur la PSP. J'aimerais bien l'avoir sur la Switch. Le problème étant que. Ça coûte une couille. Ça coûte littéralement une couille. Et c'est chaud. Il est ressorti sur Switch. Et oui. C'est pour ça que je te dis, j'ai très envie de l'avoir sur la Switch, mais... compliqué. Mais non, j'avais... Non, c'est injuste. J'étais bon. J'étais bon. Oh non, c'est injuste, ouf. Tac. Et maintenant, si je fais ça... Ça fait ça. Non, oui, effectivement, on a deux couilles. Ça va. Par contre, ouais, je... Alors, je sais, j'en sais rien du tout si c'est là. J'y vais par hasard. Je suppose que c'est ça. Par contre, le truc, il peut pas faire des dashs comme ça en l'air, donc ça m'énerve un petit peu. J'ai toujours utilisé le lion pour l'instant. Bah t'es mort. Oh. Et là maintenant c'est l'inverse. Il faut... Oh. Ah, ils peuvent balancer des... Ah oui. Ah oui, ils peuvent me tuer aussi. Ah oui, ils peuvent me... M'enfermer. Ah ouais. Et je crois que c'est... Oui, c'est là. Je crois que c'est là. Non, c'est pas là, c'est pas encore là. C'est après. Voilà, dash, deux en un. Dash. Perdu. Ouais, mais là c'est mort. On va attendre. Attendons. Perdu.
Oh, sérieusement, putain, sérieux. Eh, sérieux, je suis dessus. Est-ce que je peux pas... Je savais pas. J'avais pas... Oh, putain, j'avais plus de... J'ai plus le machin. J'avais plus le machin, mais on peut faire ça, ok. Loupé. Loupé, mais il faut que je récupère mes flammes. Quoique là, maintenant... Putain, c'est chiant. Hein. C'est trop chiant quand il fait ça. Perdu. En vrai, c'est... Je suis sûr que c'est faisable. Hop. Ça m'énerve. Putain, allez. Ok. Ouf. Et là normalement c'est ouvert. Là maintenant c'est ouvert ton truc. J'espère que c'est ouvert hein, parce que bon, je suis en train de galérer hein. Et le machin il veut pas. Et puis d'un coup il veut. Et puis finalement il sait pas. Et puis enfin. Et allez. C'est bidon. Sérieusement. Sérieusement, à un coup, il l'a pas voulu. Eh, je suis con, c'est vrai que j'aurais pu chercher de l'équipement en fait, en vrai. Bon, attends. Je retente, sinon après je vais chercher de l'équipement rapidement, puis je reviens. Ouais, faut quand même jouer, Val. Ouais, j'aimais pas jouer. Tant pis, attendez, je vais chercher de l'équipement. Y'a moyen que j'ai un meilleur équipement que ça, parce que là j'ai pris la première armure et tout. Donc attends, bougez pas, on va aller chercher le truc. Ça se trouve à l'autre bout du village, certes, mais on va l'avoir. Évidemment, quand t'as plus de dash, c'est trop chiant. Avoir le dash, s'il te plaît, rapidement. Parce que je dois aller à l'autre bout de la ville et c'est terrible. Toujours pas. Alors, ça, évidemment, on le prend. Voilà, merci. Donc, ça, c'est fait. Et qu'y a-t-il dans la boutique? Beaucoup de sang sur Améliora pour devenir quasiment invulnérable. Oh, arg. Je veux ça. Je veux ça et je veux l'améliorer. C'est vraiment vénère de l'améliorer ou pas? Étudissement en lenteur. Ah, oh. Non. Renvoie encre, étoile d'araignée, poison, Ah ouais, d'accord. Ah oui. Donc, j'avais... Putain, j'avais le vieux truc. Ok, et là? Ah, j'ai pas tout, mais En fait, j'ai rien du tout. Ouais, mais invulnérable, au bout de combien de trucs? Là, ça veut dire, écoute, tu t'es fait baiser. Pour l'instant, je peux... J'ai que défense max avec l'armure de glace, en fait. Je me suis fait scame mes pièces, là. Comme ici, en fait. C'est le gars. Ça sert à rien. En vrai, de vrai, ça servait à rien. Ça sert à rien, pour le coup. La vitesse max, comme ça, je vais pouvoir aller au plus vite. Donc là, voilà. Ok, on est équipé. On est équipé, normalement on est bon. J'aurais pu dormir, mais bon, Osef, tant pis. C'est loin en fait le machin. Attends, j'ai seulement d'y penser. C'est quand même vachement loin hein, où on va. On va jusqu'au château, on va tout au fond. On va essayer de dégommer le gars, normalement avec une potion. On devrait bien le faire, mais bon. Là on y va. Aïe. Donc là, c'est là. Et théoriquement, ouais, c'est juste en dessous. Donc c'est juste en dessous, on devrait le voir dans 2 secondes. Le temps d'y aller. Le temps de le battre. Allez, bidon. Bah écoute, il est battu en 2-2. Voilà, c'est battu. C'était dur.
c'était très très dur. En vrai, ça va rien du tout ce que j'ai fait. J'ai acheté des machins et tout, en vrai, prison du château. Bon, bah, en tout cas, c'est bien là qu'il fallait aller. C'est bien là qu'il fallait aller. Mais ça servait à rien d'aller là parce que tu peux pas. C'est moi ou on est... Attends, deux secondes. Pousse. On est à la fin du jeu ou pas? Parce que pour moi, on n'est pas à la fin du jeu. Hein. Là, on n'est pas... J'espère pas qu'on est à la fin du jeu. Deux secondes. Monster Boy. And Cards Kingdom. Merci d'être passé... Scato Gamer, on se retrouvera ici ou comme d'habitude, des bisous à toi. Juste me renseigner rapidement où on est exactement. Et je vais aller aussi allumer une lumière parce qu'il commence à faire noir. Kingdom, long play. Ça, parce que ça me paraît en fait bizarre qu'on soit aussi loin que ça. Qu'on ait fait autant de trucs. Là je suis sur un let's play 11h. J'ai bien 11h, donc je sais pas si le gars entre temps il fait des coupes et tout. Mais au moins la base de la base. Paf. C'est quand même bizarre. Hein. Je regarde au niveau d'un let's play. 3h, 9h. Ah ouais, il reste encore. De ce que moi je vois, il reste encore au moins un live et après c'est fini. Donc bougez pas, je vais juste allumer une lumière. Être dans le noir comme ça, c'est pas bon. J'ai 50 fois, c'est pas bon pour les yeux. Ça c'est fait. Hop. 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 Ah. Allez, on a encore des trucs, on a encore beaucoup de trucs à faire. Encore pas mal de chemin. Au moins faire la prison aujourd'hui. Comme ça, on est bon. Mais on avance vraiment nickel. Accès strictement réservé aux gardes, tout un truc sera ok. Ok, bah on s'en fout d'aller au cachot, nous. On va dégommer. On va dégommer. Alors, sûrement qu'il va y avoir des... Ok, ah d'accord, oui, ah oui, ça se passe comme ça maintenant. Ok, maintenant c'est Metal Gear. Mais tu peux le dégommer, le lion, il peut le détruire en 2-2. Donc là, il va se faire taper par le petit pingouin, là. Oh, sérieusement? Sérieux, c'est vraiment le moment de faire un passage Metal Gear, là. Oh non, sérieusement. Oh, ça va m'énerver. J'avais dit, ouais, non, on va le terminer rapide, là. Oui. Bien sûr, oui. Oh putain! Oh, ça va m'énerver. Oh, le passage comme ça va m'énerver. Parce que... Non mais, attends... Des trucs comme ça, on en tue 50. On en tue 50. C'est terrible. Là, on va perdre un temps fou. Un temps de gros malade. Est-ce qu'il faut faire de l'infiltration à la Metal Gear? Avance, oui. Ok, il y a des trucs qui bougent, il y a des trucs qui ne bougent pas. Ça va. Ok. Non, ça fonctionne pas comme ça. Ok, c'est parti. Là, on fait ça comme ça. Essaye de comprendre. Hein. On essaye de comprendre le truc. Donc là. Euh...
Ok. Ok. Là, tu es pas sûr de moi, là. Ah, mais je suis con. Voilà, comme ça, comme ceci. Ok. Et là, maintenant... T'as le gars qui n'a rien entendu. Oh, sérieusement. Sérieusement, y'a pas un problème à ton jeu, là. Ton jeu, il fait nimp, là. Ton jeu, c'est n'importe quoi. Ok, ok, le truc... C'est nimp... Oh non, mais là, c'est n'importe quoi aussi. Le truc, il a... Non, sérieusement, le truc, il a pas voulu parce que Lou, le... Ah non, il a touché. Quoi? Oh non, mais là, c'est nul. C'est nul, c'est nul, c'est trop nul, c'est trop trop nul. Ok. Ah, oh, ça va être, en vrai c'est pas le moment. Ils te mettent un truc Metal Gear alors que. Donc là, ok. Et là, si je fais ça. Non, attends. Donc ça va me. Et ça fait ça. Donc là après c'est bidon. Là après c'est bidon. Je vais juste faire ça. Juste faire ça en vrai. Bien sûr. Bien sûr que non. Donc on y va. Ça c'est bidon. Ça c'est bidon. En vrai, c'est en vrai de vrai, c'est pas si dur que ça. Et je pense qu'on a quasiment fini le truc, hein, mais c'est tellement mal pensé. C'est pas bien du tout. Et surtout, il faut l'avoir entre les mains. C'est que le. Je veux bien être repéré, mais vous me parlez de pingouins que je défonce par paquet de 10. Comment te dire que. Bah la menace elle pue quoi. Pue la merde, regarde, surtout qu'ils ne voient même pas. Ils voient juste une tache, tu sais, mais courir devant eux. Pourquoi pas. Là bon, là, on y va. Il pouvait sauter, on est d'accord. J'ai un doute, ma bite. Et là, il y a quoi? Et il y a des gardes. Il y a des rondes. Là, on peut pas passer. Là, on peut pas passer du tout. Là, on peut y aller. Je suppose que c'est pour le machin juste en dessous. Larry, c'est toi. Pourquoi tu mis tout ce temps? C'est à ton tour de garder la porte. J'aurais mieux de faire profil bas. Juste, je pensais avoir entendu quelqu'un arriver. Larry a intérêt à ne pas me faire attendre. Ok. Hey, c'est moi, Larry. Pourrais-tu m'ouvrir la porte? Oh, te voilà. Faisons d'abord... Ah, putain, il faut... Eh bien... Attends quoi? Toi, tu es un imposteur. Et allez, et on est obligé de recommencer où? Ah, ça va. Oh, un nouveau... Un nouveau compagnon de cellule. À qui ai-je l'honneur? Salut, je m'appelle Jean. Qui êtes-vous? J'ai entendu dire que... Qui êtes-vous? Ravi de faire connaissance, mon ami. Mon nom est... Monsieur Hoots. Oui, on te connaît. Sans faire de votre avis, tout raconter au sujet de votre emprisonnement. Alors, je suis venu pour vous sauver. Je ne peux qu'imaginer l'inquiétude de Julio. Il doit vivre en ce moment. Mais il semblerait que tu sois désormais dans la même situation que moi, mon jeune ami. Ne vous inquiétez pas, je vais me débrouiller pour sortir. Oui, non, mais ça sera tranquille. J'espère que tu y parviens. En attendant, ça va être...
agréable d'avoir la compagnie. Sauf que moi, je m'en vais tout de suite. Je m'en vais tout de suite et le cochon me dit quoi ? Pomme. Attends. Paf, ok. Ok, il y a du jambon, il y a du fromage, il y a du maïs. C'est du saucisson et là, il y a l'infini. Ok, c'est très bizarre, mais pourquoi pas ? C'est très bizarre tout ça. Donc là, ok. Donc il faut visiter. J'ai faim maintenant. Moi aussi, j'ai très faim en voyant ça, tout ça. Surtout, comme j'ai pu souvent le dire, quand je fais des lives, c'est je meurs de faim après. Donc c'est vraiment terrible. Alors, ok, il faut passer par là, je crois. En passant par là. Aïe. Ok. Et j'ai toujours pas de truc avec Larry, hein, machin et tout. Ok, là c'est ok, c'est la, ok, c'est la cellule. Ok, ça c'est la porte. Je n'ai pas la clé. Il va falloir y jouer au pif. Au pifomètre? Non. Non, faut pas jouer au pifomètre. On est d'accord que non. Non, c'est pas possible. C'est pas possible que ça soit au pifomètre. J'y crois pas en tout cas. Deux secondes. Bah en fait, je crois que j'ai pas le choix. Je crois que c'est ça, c'est le pifomètre. Hein. Ok, je fais profil bas. Imaginons que je fais au pif. Combien de trous a-t-il dans le fromage? Oh, j'ai le truc, attends. Il y en a. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. En plus, j'ai mal compté. 14 ? Correct. Oh, question suivante. De quelle couleur est la variété de tomates préférée du roi? J'ai plus la photo. J'ai plus la photo. Elle est où la photo? Deux secondes. La tomate est bleue. Question suivante. Que peut-on préparer en mélangeant tous les mots de passe ensemble? Du fromage, du saucisson et des tomates, une pizza. Exact, maintenant c'est à ton tour, à plus. Ok, ça va. Par contre, attends deux secondes. Le premier, on est d'accord que je ne pouvais pas l'avoir. C'était impossible de l'avoir. Ou t'étais obligé d'être emprisonné. Et auquel cas, ça fait changer le truc et t'étais obligé de mal répondre. Y'a moyen, hein. Pour moi, je pense, et je suis sûr de moi que c'était prévu comme ça. Ok, donc là, le fromage, on l'avait, la tomate, et ça faisait une pizza. En fait, je pense que le truc vert, c'était de la préparation en pizza. Sauf que, bien sûr, j'ai pas fait gaffe. J'ai pas fait gaffe non plus à cet endroit-là. Je pensais que tu pouvais... Je pensais que c'était pas ça du tout. Mais ça fait rien. Non, ouais, faut bien compter, tu vois, il faut bien compter, c'est piège. C'est piège et c'est traître. C'est là. Non, je voulais passer. Allez, tombe. On va tout en haut, s'il te plaît. Ok, là, comme ça, je peux y aller. Pas de quiz, hein. Non, ça va. Pas de quiz, ça me va grandement. Par contre, là, je peux pas y aller tout de suite. Qui, voilà, il tourne la tête instantanément. Est-ce qu'il va un peu plus loin ou pas? Oui. Est-ce qu'il va encore plus loin? Non. Ok. Mais c'est bâtard, ça. C'est bâtard. Je peux pas passer. Alors,
on descend tout en bas. Pas tout en bas. Et j'ai plus de vie, hein, là. Donc si, imaginons que je fasse ça. Voilà, là évidemment, va me trouver. Et c'est cool, je peux aller plus vite comme ça. Je peux aller plus vite peut-être comme ceci. Ah, le truc il descend en même temps. D'accord. Au moins passer le premier. Ouais, on peut faire ça. Et là, il reviendra pas. Il va pas jusqu'au bout. Il va pas jusqu'au bout. Okay. Jusqu'au bout. Oui, c'est bon. C'est bon, il y a maintenant. Dans le doute, je vais le laisser passer. Voilà, comme ceci. Et là, voilà. Ok. Ok, et là maintenant. On a la clé. Nous avons la clé. Nous pouvons passer. La clé de la prison. Ok. Et là maintenant, je peux faire. Ok, c'est pensé pour que tu ne peux pas le toucher. Donc. Ok. Là maintenant, volons. Volons. Pourquoi il veut pas voler? Volons, j'ai dit. Maintenant, passons. Tombons. Avec panache. Bien sûr que non, il faudra faire tout le tour. Ok. Voilà. Et. Évitons de perdre de la vie. Lion. Ok. Et là maintenant, on peut libérer Loot. Libérons Loot. Ah putain, arrête. Voilà, va dedans. Ok. Te revoilà avec la clé. Je commençais à croire que tu m'avais abandonné. Et que tu étais reparti seul. Bien sûr que non. J'ai encore du mal à croire que Monsieur Mystica vous ait injustement enfermé ici. Il mijote quelque chose, c'est certain. Je l'ai compris lorsqu'il a commencé à me poser des questions étranges à propos des orbes qui allaient au-delà du simple fait de rendre à tout le monde sa forme normale. Enfin bref, nous devrions retourner au sommet de ma tour pour continuer à parler en toute sécurité. Bonne idée. Est-ce qu'on y aurait avoir un... Ah non, même pas, il s'est téléporté tout seul. Ok, et bah... Pourquoi pas. La prison était courte, je pensais que ça allait être plus long que ça. Et que dalle, quoi. Bon, au moins c'est fait. Compte tenu des derniers événements, je crois que Mysticat souhaite récupérer des orbes afin de réaliser un puissant rituel qui pourrait plonger notre monde dans les ténèbres. Pardon, mais je croyais qu'en réunissant toutes les orbes, cela ramènerait tout le monde à la forme normale. Il est vrai qu'ils ont ce pouvoir, mais je doute que ce soit pour cette raison que Mysticat cherche à les obtenir. On ne peut plus lui faire confiance. Je parie que c'est à cause de lui qu'oncle Naboo a obtenu ses pouvoirs, ses mystérieux pouvoirs, et qu'il a perdu la tête. Je ferais bien de retourner avant que... Jean, je suis au regret de t'apprendre que Naboo a déjà été capturé. Tu veux la garde royale l'escorter vers l'un des cachots les plus profonds du château. Je me demande si sa baguette... Vraiment? Je dois à tout prix y entrer et le sauver. Je peux t'aider à entrer dans le château, mais je vais d'abord avoir besoin d'un objet très important qui m'a été dérobé par un collectionneur de trésors sournois du nom de Malino. Ce scélérat m'a aussi pris mon talisman du dragon, s'il vous plaît. Dites-moi ce que vous savez où il se cache. Il réside dans un endroit dans lequel peu de personnes osent s'aventurer. Le cimetière de Mortebois. Tu auras besoin de ceci pour franchir les cascades qui le mènent. Une clé, tout simplement. Monsieur Wood a dit que cette clé est peut-être utilisée quelque part dans une zone remplie de cascades. Pour atteindre le cimetière, la zone remplie de cascades, je la vois pas où c'est. Tu sauras que tu es proche quand tu verras plein de plantes épineuses. Je recommande de ne pas t'asseoir dessus accidentellement dessus comme j'ai pu le faire une fois par le passé. Plutôt douloureux. J'ai entendu dire que Malino vivait dans un manoir hanté. Ça ne te fait pas peur? Je ne suis pas une poule mouillée. Oubliez ce que je viens de dire. Ok. 70% et c'est... Ok, c'est là-bas. C'est là-bas, mais... Je commence à voir le ok. Trop bien. Il faut passer par où? Par les égouts? Non... Ah, je suis tombé. Attends, je suis pas tombé. Oh, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi je peux pas rentrer?
sais pas c'est quoi. Je sais pas c'est quoi, mais ça m'intrigue. Et on peut utiliser les télescopes pour quoi, voir quoi? J'étais parti faire mes tartines. On a fini, hein. On a réussi à sauver le gars et tout. Tout se passe bien, tout est nickel. Il me reste encore une petite demi-heure, une heure de live sur le sujet. Puis après, je sais pas si on aura le temps pour tout faire par contre. Donc ça, c'est un peu chiant. On va voler. Volons. Volons et allons voir ce qu'ils vendent. Ils n'ont pas changé les trucs qu'ils vendent ou pas? Bon, déjà, ça, c'est mort, je pense. Que je voudrais bien améliorer. Ah bah je l'ai amélioré. Je l'ai amélioré, mais c'est... On m'a dit invulnérable. Bah écoute, non. Écoute, non, pas du tout. Mais par contre, ils me disent quand même prochain arrivage et tout. Hein. Donc il manque quand même encore pas mal de trucs, hein, mine de rien. C'est bien mine de rien. Hein. Après, il y a beaucoup de trucs que je n'ai pas achetés. Genre, tu vois qu'il y a une lance, tu vois qu'il y a un bouclier et tout, mais... Ah, par contre, c'est quoi? Transforme n'importe quel électricité ordinaire en une potion capable de te rendre tous tes points de vie. Pas besoin, en fait. J'en ai pas besoin. Donc là, maintenant, on descend. Descendons. Et essayons de se souvenir. Les cascades. Les cascades, je vois pas où c'est, en fait. J'ai envie de te dire, c'est dans les égouts. Mais je suis pas sûr de moi, hein. Je suis pas sûr du moi du tout. Après, il y a un autre endroit qu'on n'a jamais pu aller. Une entrée bouchée avec les grilles qui sont bien gardées. Je voudrais bien y aller, hein. Il veut pas. Ça veut pas. Ça veut pas du tout. Ou aller du côté... Non, même pas. Parce que là, j'ai les trésors, j'ai les tréfonds marins. J'essaie de voir exactement où il peut avoir un endroit où on peut explorer, mais peut-être par là. Là, ce que je vois au niveau des égouts, il y a moyen peut-être d'accéder. Je sais pas, je tente, hein. Je tente des trucs. Merde. Oh non, on est déjà à 70% de la carte, hein. C'est déjà pas mal, hein, pour un truc qu'on explore comme ça tranquillement. Donc on m'a dit que par là, il y a un truc pour explorer. Merde, si je change pas l'arme, ça va pas le faire. Épée de glace, ça me laisse de glace. Attends. Non, oui, c'est ça. Hein. Ah, peut-être pas. Ah si, maintenant si. Ah, mais si, regarde, là, avec la souris, on peut y aller. Avec la souris, avec le... Ça, on peut le faire. Là, après, bah, écoute... Voilà. Visiblement, il y avait une énigme, mais... Osef, hein, l'énigme, je suis passé à l'arrache. Et c'est passé... Et c'est passé tranquillement. Mais il y avait une énigme, hein, vraiment, hein. J'assure, et là... J'ai fait le premier et j'ai adoré. C'était vraiment trop trop bien. Vraiment un pur chef-d'œuvre. C'était trop cool. Mais par contre, un peu particulier au niveau de l'ambiance. Faut aimer la fête des morts, en fait, tout simplement. Ah, mais là, je peux... Eh, en vrai, je peux aller partout. Tout ce que je n'ai pas pu faire, je peux le faire maintenant. Ah, sérieux. Ah, sérieusement. Et allez hop, on est obligé de faire tout le tour. Il fallait pas faire tout. Ah, quoique. Ah non, pas quoique. Ça fait penser où tu as survolé les deux joueurs en te changeant en poulet. Ah, trop bien. Je me souviens de ouf de Guacamele, de ces différents passages un peu bizarres. Ah, tout simplement. Ça me fait un truc en or en plus. Ok. Bracelet en or. J'ai pas genre quasiment tout bracelet en or. Non, c'est les bottes en or que j'ai quasiment toutes. J'ai quasiment toute la botte en or, mais bon. Je sais que je peux voler. On va voler. Parce que là, on m'a dit, il faut aller voir les cascades.
Sauf que les cascades, je suis incapable de te dire où c'est. Ah, mais vraiment, j'ai aucune fichue idée où ça pourrait être, les cascades. Parce que là, on a la mer. Je sais pas. Je sais pas, mais par contre, je peux voler. On peut voler, mais ça, on peut pas y aller. Visiblement, ça sera après. Ah, visiblement, non, c'est là. Ah, visiblement, c'est là. Regarde, regarde, regarde comment on fait. Il faut les bottes de glace. Oui, les bottes de glace. Non. Comment ça, non? Ah, voilà, c'est ça. Donc, bottes de glace sous l'eau. Et là. Ok. Petit secret. Pour avoir un joyau en plus. Ok. Ça va à rien. Bon, de toute façon, si on n'arrive pas à voir le fameux donjon, là, on va faire de l'exploration. Hein. Surtout qu'il y a plein de trucs. Oh, voilà, j'ai vu des endroits où je n'ai pas pu faire. Donc du coup, je sens que ça va être exploration avant de trouver l'endroit, parce que je sais absolument pas où c'est. Je vois pas où ça peut être, et ça m'énerve. Du coup, bah, on va fouiller. Hein. On va fouiller, mais je sais que... Voilà, regarde, là dans les airs, il y a peut-être des zones secrètes. Il y a peut-être des zones secrètes et on va tout faire, tout simplement. On va tout faire. Dès que je vois un rayon lumineux, je me dis, ah, peut-être. Donc là, non. Là non plus. Par contre, le gros problème avec le dragon, c'est que tu es obligé d'appuyer toujours sur tes ailes pour tous tes sauts et c'est trop, trop chiant. Donc là, peut-être? Non. Non, c'est vraiment trop plus loin. Écoute, on va y aller comme ça. Hein. Ça va aller plus vite. Hein. Et ça va aller un peu plus vite. Mais je suis perdu. Vraiment perdu, premier degré. Je ne sais point où c'est. C'est chiant. C'est quand c'est chiant, quand c'est comme ça. Parce qu'on parle de cascade, on m'a dit qu'il fallait aller là, mais je vois pas du tout où c'est. Ah, mais c'était au phare, non? Si, attends, non, c'est pas au phare. C'est là? Ah ouais, c'est là. Ok. Et là, on a quoi? Ok, on va avoir tous les trucs en or maintenant. Armure d'or, ok. Ok. Là, après, on a quoi? On a la zone du boss. On a la zone du boss à explorer. Après, on va faire le tour, on va revenir à l'autre bout de la map. Ou là où les cascades. Merci d'être passé, Julien. On se retrouve ici au hier, comme d'habitude. Des bisous à toi et à la prochaine. De toute façon, moi, ça sent que on va explorer. Parce que je vois pas où c'est. Je vois pas du tout où ça peut être, l'endroit. Et c'est chiant quand c'est comme ça. C'est très, très chiant parce que tu ne sais pas où tu dois aller. Tu ne sais pas ce que tu dois faire. Tu ne sais pas ce que tu dois imaginer. C'est là, mais il n'y a pas de carte pour te dire. Ou les cascades, ça serait là. Ah, 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 ah là oui, ah là oui, je vois où ça peut être. Là, il y a le S, il y a un truc à droite. À tous les coups, c'est là. Du coup, bah, du coup, je veux juste revoir à la zone du boss, puis on y va. C'est pas loin. C'est vraiment pas loin du tout. Puis après, de toute façon, on va faire un petit blabla comme d'habitude. Parce qu'on a quand même bien avancé. C'est cool. C'est toujours cool de prendre des news. Donc là, c'est juste à côté. Dans la zone du boss. Donc, il n'y a plus rien. Ah, ah, non, 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 non. Non, y a, franchement, il y a beaucoup de choses à faire dans le jeu. Beaucoup de choses à voir. Mais c'est long, hein, par contre. Qu'est-ce que c'est long. Oh, ouais, ok. Ok.
Par contre, voilà, pour tout découvrir, ça va être chaud en patate. Il demande quoi, lui? Des flammes? Quoi? Allez, c'est mort. Mais surtout je me dis, c'est vraiment un... C'est vraiment le vrai Metroidvania à l'ancienne, hein, pour le coup. T'as énormément de choses à voir, beaucoup de choses à découvrir, et ça reste sympa, quoi. Ah, bouclier miroir, où il faut dévier le miroir. Ok, on va faire ça comme ça. Ok, petite énigme. Et... C'est le moment de jouer avec des miroirs. Pour avoir quelque chose. Donc là. Ok. Ok. Ah. Ouais. Ah mais là je peux pas le bouger ça, attendez. Faut faire ça. Ça me tente bien, j'avais déjà pris Dragon Trap, il est cool aussi. Ouais, non mais Dragon Trap aussi c'est un chef-d'œuvre. Pur chef-d'œuvre de l'histoire du jeu vidéo. Je rappelle, j'ai acheté la Master System pour ce jeu, c'est pour te dire à quel point... trop hype. Beaucoup trop hype de ce jeu. Exceptionnel. Donc là non. Un peu que Defector, un jeu micro que j'avais adoré avec les miroirs. Je vois de quoi tu parles. Il y a un jeu aussi comme ça sur Game Boy Color. Ou Game Boy Classic. Je crois que c'est Game Boy Classic. J'ai un énorme doute de la plateforme. Là, ça fait quoi? Ouais, non, ça l'est mort, là. On peut pas taper. Et... En fait, c'est ça qui m'emmerde, c'est que je peux pas le taper. Merde! Je suis tombé tout en bas. Je peux pas le taper comme ça. Ah, évidemment, tout... Oh non, mais tout a disparu. La porte est fermée. Putain. Ah. Ah, putain. Ok, la porte est ouverte. Te. Porte ouverte. Ah, regarde, regarde, regarde. Regarde que le jeu, tu dois pas faire ça comme ça. Ah, ah, ah. Donc il y a des trucs que tu peux bouger et des trucs que tu ne peux pas bouger. Donc ça, je peux pas bouger. Parce qu'il est pas sur un... Il n'est pas sur un poteau. Donc si je fais ça comme ça... Donc là, ok. Ok, donc là ça fait ça comme ça, mais là ça tape dans rien. Enfin. Ok, il veut pas comme ça. Imagine que je fasse ça. Énigme compliquée. Mais surtout que je ne vois pas comment on peut taper comme il faut. Parce que là ils me disent ça comme ça. Ok. Là, on peut taper. Là, on peut pas taper. Là, le truc, là, ne bougera pas. Donc là, ok, comme ça. Le truc, là, comme ça, il tapera toujours. Ok. Ok. Si je fais ça, comme ça. Non, il tape sur le côté. On est d'accord que je ne peux pas... Je déteste ce genre d'énigme à la con où il s'est mal expliqué, où tu sais pas que tu peux taper dessus parce que loul.
Ok, ok, on peut faire ça. Donc si c'est comme ça, on fait ça comme ça. Pour faire ça comme ça. Ok. Putain, smart, hein. Allez, là, c'est un cœur, s'il vous plaît. Même pas, c'est même pas un cœur. Tout ça pour ça, quoi. Pour une partie de l'épée en or. Ok. En tout cas, on a fait un joli dessin. C'est bien. T'as bien travaillé. Merde, il fallait pas descendre. Il fallait pas totalement descendre. Il fallait voler un petit peu. Quoique, les égouts, il y avait pas un truc là dans les égouts? Ah, je sais pas, j'hésite. Ah si, il y a un truc. Ah si, si, il y a un truc dans les égouts. Par contre, il faut savoir exactement où il faut s'arrêter. Ah non, mais si c'est ça. Ah bon, non, mais c'est bon alors. C'est bon, je sais. Bah attends. Et on va s'arrêter là et on va... hop, on va faire ça comme ça. Ok, et là. Hop, hop, et là. C'est là. Attends, il faut que j'arrive... Ouais, il faut que j'aille là. Faut que j'aille au village. Que je vais dans les égouts. Que je vais chercher le truc. Pour ensuite... C'est beaucoup d'aller-retour, hein. On remarquera. Pas grand-chose en plus. Hey, c'est vrai que attends, j'ai les bombes maintenant. On n'a pas pris les bombes. Ah si, on l'a déjà pris les bombes. Enfin, en vrai, j'en sais rien en fait. Je sais pas, ça va où? Ouais. J'ai un truc de glow. Ouais. Bon alors le truc, je présume qu'il doit être un peu simple. Ouais non, ok, ok, le truc est simple. Donc maintenant que j'ai le dragon, en vrai j'ai cassé le, je pense avoir cassé l'énigme. Parce que normalement tu devrais avoir, ouais non, tu devrais avoir tout, sauf que moi, n'ayant absolument plus besoin de rien. Mais t'es obligé d'avoir quand même la... J'allais dire la souris, le... Le truc... la grenouille. Parce que si t'avais pas la grenouille, ça passait pas. Par contre, c'est chiant! Oh putain, le truc, il voulait pas s'accrocher. Et encore une partie. Une partie de quoi, là? Une partie de l'épée. L'épée en or, on va la faire en entière, hein. Eh, ok, bah debout, hein, pour le coup. Et bah c'est fait. C'était pas ça que je voulais, mais pff, moi c'est fait. Et là maintenant, on va pouvoir aller dans le tunnel. Mais je sais plus si c'est là, en fait. C'est ça le problème, c'est que je ne sais plus du tout si c'est là. Ah, quoi? Bah si, c'est là. Ah bah si, c'est là. Ah bah si, c'est sans problème. Ah bah si, on m'a dit, il y a des épines. C'est dangereux. Regarde, il y a même un machin et tout. Ah bah non, c'est pas là. C'est pas là que je voulais aller, mais visiblement, il y a un... Ah, si, il y a un tunnel. Attends, si, il y a un tunnel. Il y a un tunnel, mais il faut savoir voler. Donc là, on va voler. On va se mettre en serpent. Et on va aller dans le trou. Pour avoir sûrement encore un truc d'or, hein, parce que visiblement, on les... Non, sérieusement, mais c'est... Putain, mais... Ça m'énerve vraiment de ce genre de truc où, loul, tu ne peux pas y aller. Voilà, là, maintenant, je peux y aller. Et c'est pour avoir une partie... Oh, juste une partition de musique, c'est pas ouf. Bon, je prends quand même, hein, mais bon... Je regarde... Il y a notre passage secret. Il y a notre passage secret, il fallait le voir. Mais il faut être en grenouille. Quoique non. Attends. Ah non, c'est après.
C'est après, faut aller comme ça. Là. Avec une épée, ça passerait peut-être mieux, tu vois. Non, parce que ces blocs-là ne passent pas, j'arrive pas à les dégommer. Alors pourtant j'ai tout, hein. J'ai tout ce qu'il faut, mais je peux pas y aller. Bon, en tout cas, c'est pas là. Oh, voilà. Juste à côté. Ou c'est là. Mais... on va faire ça. Attends, on va faire ça comme ça. Comme ça, si je loupe un truc, je serai sur le terrain. Ça va me faire de l'or aussi. De toute façon, on va pas faire le donjon aujourd'hui, ça m'étonnerait fortement. On n'aura pas le temps. On a fait beaucoup trop de trucs là pour cette deuxième partie. Faut aller comme ça. Au moins qu'on explore bien. Attends, pourquoi il y a la grenouille? Ah non, mais la grenouille c'est pour après. Ok, d'accord. Ok, là on fait ça comme ça. Bra. Voilà, comme ça. Maintenant, ça va nous permettre de faire tout le passage. Et là, maintenant, ok, il faut tout monter. Sortie ou armurier. Ah oui, non, c'est ça. C'est, non, oui, c'est bon. Ah, c'est bon. J'ai rien dit. Par contre, ça, c'est chiant. Et là, on va peut-être voler avec en fait, voler avec le dragon, c'est tellement mieux. C'est tellement mieux, mais il n'y a plus rien. Pourquoi il n'y a rien? Pourquoi je l'avais pas vu, le truc pour voler? Évidemment, et pourquoi je suis tombé tout en bas? Comme un idiot. Et pourquoi le truc, il me fait encore super mal alors que j'ai les meilleures armures? Non mais sérieusement, le truc, il me bourre le cul alors que j'ai les meilleures armures? C'est pas un peu bizarre? Même très bizarre. Ok. À quoi que... Ah, pas, c'est pas ok. Non, pas ok. Pas ok du tout. Oh, bien, bien, bien. Et là, voilà. Zone secrète. J'aime les zones secrètes. Donc j'ai bien fait d'y aller à pied. J'ai bien fait d'y aller à pied, comme ça me permet de pouvoir faire le tour. De pas louper des secrets. Et d'en récupérer pour ceux, évidemment, que j'aurais loupé. On est bien. On est vachement bien. Je sais pas si c'était bien de... Ouah, si, c'est pas mal. En vrai, ça devrait être pas mal. Mais je sais pas s'il y avait... Ouais, si, c'est bon. J'avais un doute sur... Est-ce qu'il y avait un truc pour y aller? Si, il y avait un truc pour y aller. C'est là. Il y a des cascades ou pas? Ok, c'est là qu'il faut aller. Cascade, tout simplement. Ok, bah c'est bien là qu'il faut aller. On va aller dans... On va s'arrêter... De toute façon, on va aller jusqu'au cimetière. Donc on va faire au moins toute la zone. Donc là, c'est vraiment l'endroit où... Où théoriquement, je devrais être beaucoup plus craqué que le reste. Oh, évidemment. C'est bien normalement. Hein. Ok, ça c'est bon. Tu vas mourir ou pas? Tu vas jamais crever, c'est ça le truc. Ok. Ok, ne tombe pas, ne tombe pas. Oh, c'est Julie. Parce que là, théoriquement... On devrait pas être là, je crois. Il y a une porte. Il y a une porte juste en dessous. Faut que j'enlève par contre mes godasses de glace. Je vais faire ça. Hop. Hop, la vitesse max. Comme ça, on est bon. La musique est trop cool, par contre. La musique est beaucoup trop cool, même. Ok, là, maintenant. Ah, on peut pas y aller. Ah, bah, écoute. Ah là, si, on peut y aller. C'est juste qu'il y a un endroit où il m'a dit non. Ok.
y a bien une porte, hein. Je suis pas fou, hein. Attends, je suis pas fou, il y a une porte, hein. Si, il y a une porte. Ouais, mais il peut pas utiliser son groin, je suis con, du coup, bah, il y a une porte, ok, que je ne verrai jamais, je n'ai pas le bon truc, et là, bah, dragon, j'ai pas le choix d'utiliser le dragon. Faut vraiment jauger, hein, au niveau de son vol, c'est vraiment tac, 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 et ça passe. Ok, on est bon. Oh, sérieusement, mais là, c'est injuste, tu le vois pas arriver, boum. Allez, recommence. Et sans prévenir, hein. Sans prévenir que ça va t'enculer, hein. Ok. Non, mais c'est bâtard. C'est tellement bâtard, putain. Et ces trucs-là, ils ne meurent pas. T'inquiète pas que le truc, il va te poursuivre pendant tout le niveau. Donc là, ça s'est passé. Ok. 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 Et là, qu'est-ce qu'ils me disent ? Village de pierre, cimetière. Ok, bah on va s'arrêter de toute façon, cimetière. Comme ça, ça sera fait, on sera déjà au bon endroit. Et comme ça, c'est bon. Hop, hop. C'est vraiment le cimetière. Non, ça va. Demande que c'est pas tout de suite le cimetière. Évidemment, ça va être trop chiant, évidemment, je vais galérer pendant 1000 ans. Ah là là, pourquoi c'est jamais des trucs aussi faciles? Oh putain mère, quoi! Et jamais, je vais pas réussir, hein. Eh! Oh! Attends, là ça m'énerve. Ah, faut peut-être pré-shot son truc, puis après faut faire ça. Ah, peut-être. Ouais, non, attends, c'est bon. Ok, c'est bon. Fallait pré-shot le truc, puis après on était nickel. Parfait. Parfait, le truc qui me tombe. Dessus. Non, est-ce qu'il va avoir les cascades et tout? Non, il n'y a pas les cascades. Il n'y a pas les cascades, mais par contre, je vais avoir les pics. Et ça tombe à pic. Loul. MDR. Ok, on est bien. On est bien, on a juste à attendre là. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Et on peut y aller. On peut y aller. Par contre, là, comment ça se passe? Comment ça se goupille? Ouais. Faut taper dessus ou pas? On peut pas taper dessus. Ah! Ah! Putain, mais... Comment tu veux pas devenir fou dans cette situation? Tu peux pas taper! Tu ne peux pas les mettre tout de suite! T'es obligé. Et évidemment, les blocs, dès qu'ils te touchent, ça fait genre max dégâts. Hein. C'est pas le petit truc, hein, non. Et allez, qu'il faut un timing de bâtard. Et regarde que je suis bloqué. Je vais me manger le rocher, bien sûr. Bien sûr que je vais me manger le rocher de merde, là. Ok. Et là, normalement, c'est bon. Ok, c'est bon. Ça passe.
Je suis mort. Non, je suis pas mort. Je suis pas mort, mais... Ok. 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 Par contre, c'est chiant, les trucs de glace de merde, les trucs de... Eh, là, c'est la foire à la saucisse. Non, là, c'est la foire à la saucisse. Le truc, il veut pas passer du tout. C'est terrible. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que tu fais? Comme bêtise, il y a mon petit chat qui commence à faire n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il y a? Non, moi, je commence pas à descendre avec toi. Je peux pas. Et mon petit chat commence à déjà avoir faim. Et alors que c'est pas encore l'heure. Hein. C'est pas encore l'heure de manger. Chiant de ouf! Et il me fonce tout le temps dessus! Et il veut toujours ma mort! Oui, 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 non! Est-ce que vous voyez le fun là dans le passage? Est-ce que vous, si vous voyez le fun, merci de me l'envoyer, hein! Parce que là, c'est chiant! Là, c'est très chiant! Parce que t'es obligé de gérer le truc comme tu sens. Sauf que déjà, ça, ça m'emmerde. Ça m'emmerde. De ouf! Toi, t'es mort! Merci! Au revoir! On est bon! Parce que là, la séquence, elle est pas fun. Hein. La séquence de merde, là, avec les blocs que tu dois avoir, c'est chiant! Passe, 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 passe. Les rochers m'ont dégommé. Oh non, sérieusement, ça m'énerve. Allez! Évidemment, évidemment, c'est trop bien! Ah, c'est trop bien! Et allez, on va changer l'épée parce que loul, c'est pas la bonne épée pour tuer le truc! Le truc bien chiant qui va te péter les couilles là, qui arrête pas de te foncer dessus là, et qui te gèle! T'as même pas le temps de bouger! Allez, hop! Hop là! Allez, c'est fait! Maintenant la glace. Voilà. Résiste un petit peu la glace s'il vous plaît. Merci. Bien sûr. Allez, on commence. Allez, c'est reparti. Allez, on y va. C'est fun. Ah, c'est loul. Ah, c'est loul le jeu vidéo, t'es là pour détendre et tout. Avec un passage bien relou. À base de, tiens, ici on faisait un truc où il faudra utiliser des blocs de glace, tu vois. Ah, ils en ont pas assez chié là, tu sais, pour arriver jusque là, donc on va faire un truc, tu vois, c'est marrant. Eh, vraiment l'intérêt du truc. Est-ce que ça se voit que c'est vraiment injouable? Mais quand je te dis injouable, je déconne pas, hein. Le passage, il est... Le passage est lunaire, là. Le passage est lunaire. Allez, putain, tu vas... Rentre. Rentre. Non, mais sérieusement. Sérieusement. Ça fait 4h30 que je joue au jeu. 4h30, hein. Et il me faut hein, des passages bien chiants comme ça. Sérieusement. Toi, t'es mort. Allez, on y retourne avec le truc de glace. Donc là, il faut aller là. Ok. C'est que non. Bien sûr que non. Ça a l'air sympa comme jeu. Franchement, trop bien. Ah, je m'éclate, là. Franchement, je comprends pas les gens qui disent « Ouais, le rétro gaming, c'était mieux avant. Les jeux étaient cool, c'était vraiment le fun et tout. Hein. » Franchement, je comprends pas. Il y a des très bons jeux récents. Hein, là, le jeu, il est excellent, hein, pourtant. Tu vois, moi, je prends du plaisir à recommencer 50 fois le même passage avec le truc de merde qui bougera pas, bien sûr. C'est vraiment une flaque de merde, hein, le truc. Il n'y a pas...
Allez, t'es mort. Évidemment, 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 ça passera pas, évidemment. Est-ce que vous voyez le cafarnaum des trucs chez Vidéo Fun Fun Fun? Ah là, non. Ça va te détendre. Franchement, j'aimerais bien l'essayer. En vrai, il a l'air trop bien. Il a l'air beaucoup trop bien et tout. Tu peux choisir ta faction, tu peux faire plein de quêtes. C'est en plus tout le château matérialisé. Ça a l'air trop cool. Mais non, hein, les gens m'ont dit, oh, tu pourrais jouer à ça, tu vas voir, c'est trop bien. C'est un bon jeu en plus, loul. Ah oh, putain, s'il te plaît quoi. Allez, ta mère quoi. Je peux pas descendre, je peux pas descendre, je peux pas descendre. Je peux pas descendre parce qu'il y a un putain... Après, j'hésite, je vais pas le prendre sur la Switch. Parce que si je le prends sur la Switch, ça pue que le jeu va être dans un état dégueulasse. Mais après, sur la PlayStation 4, ça va être la même. Hein. Ça pue que ça va être la même. Ti 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 ti. Aïe. Ah, c'était passé au score, vous trouvez CER comme d'habitude, des bisous à toi et à la prochaine. Ou quand même, un meilleur dépassage, mais ça fait rien, t'inquiète. Sérieux? Non! En fait, je sais ce qu'il faut faire, hein. Si vous me posez la question, je sais parfaitement ce qu'il faut faire, mais ça veut pas. Hein. Ça veut pas taper au bon endroit et à me le faire glisser comme il le faudrait. Hein. Du coup, c'est trop chiant. Du coup, je perds patience. Je perds patience parce que j'ai autre chose à foutre que de faire ça. Perdu. Oh, j'y ai cru, hein. J'y ai cru quelques secondes, mais non, le truc, évidemment, c'était de la merde. C'était de la merde, c'était de la merde, c'était de la merde, j'étais de la merde, je l'avais en plus. Et le pire, c'est que je peux pas me faire toucher. Je ne peux pas me faire toucher. Et évidemment, il y a le truc qui repop. Ça serait trop marrant. Bien sûr que ça serait pas assez fun. J'essaye de me dire pourquoi je me suis dit je vais faire des jeux vidéo en vidéo. J'aurais pu faire des trucs de yoga, je sais pas, des trucs bien, des trucs pour ma santé mentale, tu vois. J'ai vu un truc, je pense qu'il y a une zone secrète. Je pense qu'il y a une zone secrète, mais je sais absolument pas comment tu le fais. Attends, c'est un peu la foire à la saucisse. La musique est cool, hein. Encore une fois, la musique est excellente pour un passage qui est pas excellent. Je suis mort. Et en plus, il faut bien que le bloc il marche bien. Regarde, regarde, le truc il est au ralenti et je me suis fait dégommer. Hein. Le truc au ralenti me dégomme, quoi. Putain. En fait, il y a une zone secrète, mais je sais pas comment je peux l'activer. Là, tu vois qu'il y a une zone. Mais comment on y va? J'en sais que dalle. Eh putain, vivement que c'est fini. Hein. Vivement que cet endroit-là, on l'a terminé. Hein, parce que putain, c'est pas fun. Hein. Putain! Allez! Bah non, ça marche pas comme ça! Ça marche pas comme ça! En fait, il faut... C'est un peu bâtard comment ça fonctionne. Faut taper le deuxième bloc, mais le... T'arrives pas à taper le deuxième bloc.
C'est un peu, c'est pas possible de taper le deuxième bloc. Le truc, ça demande mais à pixel près quoi. Et pire c'est que je peux pas manger l'insecte. Je suis obligé d'aller en arme lamardante pour pouvoir le taper et avoir un deuxième essai perdu. Perdu. Ok. Allez. J'ai envie. Je bande très très dur. Ok, c'est bon. Ah oui, mais c'est comme ça. Du con. Ok. Ok. Ça commence à y aller. Hein. Déjà que les moments des gros problèmes de primary, bah, franchement, ouais, bah écoute. Ça pue, hein. Ça pue de ouf pour jouer à la bonne version. Mais ils vont la sortir sur Switch quand même, hein. Ils vont le sortir sur Switch quand même parce que bah les gens ont la Switch, hein, donc ça pue, hein. Ça pue de ouf. Mais j'ai à voir, hein. À voir. Après, un PC, faut un PC de guerre, toi. Ça encore, ça va. C'est juste un investissement. Mais c'est vrai que, bon, pour y jouer, faut peut-être une des meilleures machines du moment. C'est une question de quoi? C'est une question de vitesse ou pas? Perdu. 1, 2, 3. Ok. 1, 2, 3. Perdu. 1, 2... 3 là maintenant. Oh non, le truc il a traversé le mur. Mais non, dégage, connard. Ah mais non, je suis trop con. Je suis vraiment le roi des cons, putain. J'avais oublié qu'il faut le taper là. Putain, ta mère quoi. Putain, c'est vraiment chiant. Oh. Eh, jusqu'au bout, ça va m'emmerder, quoi. Allez, on recommence, c'est fun. Fun, jeu vidéo, bien sûr. Oh là là, quelle angoisse. Putain. Eh, là, je commence à m'énerver. Là, je commence à en avoir ras le cul du passage. C'est un, c'est pas fun du tout. Deux, c'est chiant. C'est chiant. Perdu. On a gagné. Ah, c'est win. Ah bah. Enfin. C'est fini ou pas? C'est fini, hein. On est d'accord que c'est fini, hein. C'est pour aller où, là? Ok, une zone secrète. Ouais. Ah, mais non, il faut utiliser le cochon, puis boomerang. Donc ça va faire comme ça. Ok, c'est ça. Pour que là... Non, ça ne... Si je fais ça... Ah merde, le cochon, il meurt. Ok. Ouais, mais non, mais ça, c'est bizarre aussi. Attends. Si je fais ça, je comprends pas l'intérêt. Je ne comprends pas l'intérêt. Le jeu chiant sur 20.
Ah là, ouais, là, c'est très chiant. Vraiment, c'est pas fun du tout. Disons-le clairement. Le fun a disparu, hein. Le fun a disparu. Ça serait pour là ? Je sais pas, je comprends pas. Ah, peut-être là, comme ça. Donc là, cochon. Le cochon... Si je tape pas là, ça va pas le faire. Il va faire ça, comme ça. Il va faire ça, comme ça. Boum, il est mort. Ok. Tu fais ça. C'est pas ça du tout. Ah oui, mais la grenouille, elle peut... Putain, la grenouille, elle peut faire ça. Elle peut gober. Voilà, elle peut gober, elle peut faire ça. Ok, et là maintenant... Comme ça. Allez, avance. Là, comme ceci. Parce qu'elle va, va remonter. Va rebondir. Ok, c'est un peu foutraque ce que je fais, mais... ne vous inquiétez pas, dans ma tête, c'est bon, j'ai compris. Non, ça fonctionne pas. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Ok. Ok, 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 ok. Dans mon esprit, c'est bon. On peut faire ça. Merde. Donc là, on fait ça comme ça. Ah! C'est trop chiant. Ah, putain, t'es obligé. T'es obligé d'être avec le cochon, quoi! Putain! Évidemment, t'as pas assez de vie, évidemment, c'est trop chiant. Attends, là on fait ça. On fait ça comme ça. Le truc s'en va. Au moment où le truc... De toute façon, je vais mourir. Non, attends, je peux pas me permettre de mourir. Je peux pas me permettre de mourir, donc tant pis pour la zone. Il me faut un checkpoint. Est-ce qu'il y a un checkpoint? Mieux. Il y a un endroit pour se téléporter. Parce que là, on est au cimetière ou pas? La prochaine jeu, c'est le cimetière. Ok, donc cimetière. Donc c'est pas là que... Alors, on va terminer la session sur cette énigme. Sur un truc bien chiant. Sur un truc vraiment terrible, mais pas le choix. Alors, attends. Le pire, c'est que je sais ce qu'il faut faire, hein, mais il faut une synchronisation. Du feu de Dieu, comme on dit. Donc si je le mets là, comme ça... Là, comme ça, c'est y part. Ok. Là, maintenant. Comment ça se fait que ça a explosé? Comment ça se fait que ça a explosé? C'est pas possible, le truc il est pas là du tout. La zone n'est pas active. Comment c'est possible un truc pareil? Les bulles? Bah, y'a pas de. C'est pas possible. C'est pas possible que c'est des bulles. Là, ok, je veux bien. Mais le carré à droite. Enfin, là. Parce que, en fait, je vais expliquer les trucs. Là, si je fais ça, ça va me taper, ça va aller là. Sauf que la bombe, elle va exploser. Ou en bas, là. Voici. Parce que... Là. Tu veux le mettre... Attends, imaginons qu'on le met là. De toute façon, c'est bloqué, hein.
Après, attention, on peut pas le mettre. Faut le mettre sur une plateforme. T'es obligé de le mettre sur une plateforme. Parce que moi, je voudrais bien le mettre au. À droite, là. Là! Juste là! Il voudra pas, hein. Là, si je le mets là, ça va faire boum, en fait. Voilà, on va montrer, hein. Alors, c'est parti. Là, je me mets en cochon. Je fais ça. Tu vas voir que le truc, il voudra pas. Parce que boum. Et là, c'est ça, le répulse. Tentez, hein. Alors, attends. Comme ça. Je vais me dire qu'est-ce qui m'a tué. Non, c'est la bombe. En vrai, il y a peut-être moyen. Deux secondes, je pense avoir la solution. En fait, le truc, c'est de le mettre bien là. Un peu plus loin. De le mettre bien là. De mettre le truc là. De prendre le cochon, de faire ça. De faire ça. Non, fallait le répulser. Fallait le répulser. Donc, là comme ça, là comme ça, là comme ça. Ah putain, c'est chaud. Ah putain. C'est chiant parce que tu dois en même temps gérer le cochon, en même temps gérer le truc. Donc là, comme ça. Trop loin. Trop loin parce qu'il n'arrive pas à être révulse. Donc là, comme ça. Ok. Là maintenant, cochon. On tape dessus. Ça se passe comme ça. Là, je fais ça. J'ai paniqué. C'est bon. C'est fait. C'était dur. C'était dur à ce fuck. C'est pour ça. J'espère que c'est un truc sympa. Je te l'ai dit depuis tout à l'heure, non mais j'ai... J'essaie de le faire aussi par moi-même. On n'est pas doué, hein. On n'est clairement pas doué. Et au moins, on a quand même beaucoup de choses, hein, mine de rien. Et on va aller au village. On va se mettre au village et puis on va se soigner. Et puis ça va être parti. Et c'est comme ça qu'on va se terminer tranquillou. Alors. C'est parti. Donc téléportons-nous au village. Et qui est là. Hop! Bien! Bien, 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 bien. Bon! On a fait beaucoup de choses! On a fait vraiment beaucoup de choses durant ce live. C'était peut-être les deux parties les plus compliquées qu'on a pu faire ensemble. C'était chaud. C'était vachement chaud pour pas grand-chose, hein, je trouve. Hein. Il y avait vraiment des endroits où, dans le volcan notamment, c'était vraiment l'enfer. C'était vraiment l'enfer sur Terre et c'était chaud de ouf. Il y avait des moments où tu te disais mais putain vas-y, faut aller à droite à gauche, tu t'arrêtais pas de crever parce que t'avais pas le bon équipement. C'était chaud patate. Par contre, le jeu est toujours aussi cool. Vraiment, je prends toujours un plaisir incommensurable. On avait beaucoup de choses, on a quand même réussi à avoir 73% de la map. Donc évidemment, là, les prochaines fois, ça sera directement dans le cimetière. Donc ça va être là où ça va être rigolo. Il y aura beaucoup de choses à faire, il y aura beaucoup de choses à voir. Je ne sais pas du tout si la semaine prochaine je serai là pour pouvoir avancer un petit peu dans le jeu. Mais si on peut avancer dans le jeu, ça sera évidemment très très cool. Alors je vais juste rapidement faire un truc. Eh merde, j'ai déjà plus de stamina. Juste faire le tour. Faisons le tour. Ah, oui, on peut aller là. Partition de musique. Ça sera la surprise, voilà, grosse surprise, plus derrière savoir ce qui va se passer. Hein. Parce que c'est vrai qu'on arrive, en fait, on arrive quasiment à la fin du jeu, hein, je veux dire, dans pas si longtemps que ça, on l'a déjà terminé. Donc l'expérience est quand même vachement plaisante. Il dure pas les 11 heures qu'on m'a dit, hein, clairement, on m'a mytho sur le temps. Hein, c'est un peu con, mais bon, après, voilà, c'est des choses qui arrivent. Je fais le tour, hein. Un parano des Metroidvania, il y a peut-être un secret, il y a peut-être un machin. Non, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret dans la zone. Par contre, il y a un truc juste
Et juste un truc au-dessous, en dessous, on va attendre. C'est du bonus. On m'a dit qu'il y avait une zone là. Waouh, on va pas y aller. T'as rush. Bah j'ai rush. J'ai surtout joué 5 heures en une journée. J'ai joué 5 heures à ce petit Monster Boy. Voilà, c'est fait. Enfin voilà. Pour ceux qui sont sur YouTube, merci d'avoir regardé ces deux grosses parties de live. N'hésitez pas à venir sur Twitch, c'est là-bas qu'on joue à tous ces jeux fantastiques qui méritent grandement le détour. N'hésitez pas à liker, commenter et partager les vidéos comme d'habitude. Et sur ce, pour les gens de YouTube, je vous dis à tout bientôt. Allez, bye bye YouTube. Hop, ça c'est fait. Ça c'est fait. Et on a quand même beaucoup de choses. On a quand même beaucoup de choses. On a beaucoup d'améliorations d'armes, donc ça c'est cool. Et je vais juste voir le dragon. Donc ouais, ok, la grenouille. On avait le serpent. Ouais. On a le cochon. On a l'impression de réciter les animaux de la ferme. Et le dragon. J'ai pas vu l'image du dragon. Il ressemble à quoi l'image du dragon? Non, on va pas me montrer le dragon. On va montrer tous les trucs un peu aux F. Le dragon. Le dragon, merci. Et on, au niveau du temps, on est qu'à 50% du jeu. Parce qu'il nous manque énormément de secrets. Il nous manque une dernière orbe. Et puis voilà. En tout cas, voilà, c'est fait. Bien, on est bon. On est vachement bon. Et on quitte le truc. Voilà. Donc, messieurs, dames, on est encore là pendant encore quelques minutes. N'hésitez pas à me raconter des trucs. Juste ouvrir à mes chats. Ne bougez pas. Hop. Hop. Hop, mais sinon voilà, tranquille, en vrai, vraiment tranquille cette petite session. Alors je sais pas du tout si la semaine prochaine je serai là pour continuer. Théoriquement oui, dans les faits, peut-être que non, je ne sais pas du tout. Donc n'hésitez pas si vous avez un truc à raconter. On est là encore pendant quelques minutes. Donc j'espère surtout que la semaine prochaine je pourrai sortir tranquillement mon Triforce sur les jeux FMV. Parce que c'est vrai que cette semaine, bah non, j'ai pas pu le faire. J'étais trop con, franchement comment je me suis... En fait, quand j'ai fait le sondage, je me suis senti tellement bête en train de me dire « Mais putain, vas-y, gros, t'es obligé de faire un sondage pour expliquer... voilà, écoute, bah, oupsi, on a tout supprimé, du coup, bah, voilà. » C'est un peu chiant, mais après, c'est des choses qui arrivent. Hein. C'est des choses qui arrivent, et franchement, ça préfigure comment ça va être en avril, quand je vais faire une vidéo sur deux, pour pouvoir un petit peu raconter les choses, et bien écrire les vidéos de fin d'année, enfin, les fins d'année, la fin de la saison. Donc j'ai dit, c'est du Sega, et une surprise. Parce que tu te doutes bien que ça va pas se terminer sur un truc de jeu vidéo. C'est jamais un truc de jeu vidéo. C'est rarement un truc comme ça. Donc du coup, bah, ça va être sympa. Le sujet après, j'en dis pas plus, hein, mais il va être cool. Puis voilà. Voilà. Donc n'hésitez pas si vous avez encore un petit truc à raconter. C'est vrai que ça fait un moment que... Il n'est rien passé de spécial. Alors oui, mes cheveux, c'est vraiment n'importe quoi. C'est un peu de la merde. J'essaie de les mettre en place et tu vois que c'est vraiment l'angoisse. Ça tombe tellement. Le problème étant que ça pousse trop sur le devant et pas assez sur le derrière. Donc du coup, ça fait comme si qu'il y avait un trou. C'est trop terrible. C'est trop terrible. On essaye de faire des trucs avec et c'est chiant. C'est trop chiant. Bref. On va les mettre comme ça. On va essayer de les mettre comme il faut. Bref, c'est terrible. Après, c'est vrai qu'au niveau des shorts, j'ai déjà tout fait. Il y avait de la Neo Geo. Il y avait de la Super Nintendo, de la Mega Drive, de la DS et de la Wii. Il n'y a pas de console exotique. J'ai pas eu le temps de jouer à des consoles exotiques. Parce que j'aimerais bien faire encore des jeux PC Engine et tout. Il y a de la WonderSwan que j'aimerais bien faire aussi. Mais le temps me manque. Le temps me manque de jouer à des jeux vidéo. C'est terrible. Hein. Les sessions que je fais là le week-end, c'est les seuls moments où je peux enfin jouer, enfin me poser. Donc c'est pour te dire que c'est un peu chaud. C'est un peu chaud et on essaye d'avoir des trucs comme il faut, mais voilà. Le temps, c'est ce que je te dis, hein, entre la formation, entre faire des vidéos sur YouTube, t'as pas le temps vraiment de jouer à proprement parler, donc c'est toujours terrible. Tout ce que je fais pour la chaîne, c'est vraiment, on y va, on fait le jeu rapidement, on regarde le truc, on regarde les trucs, comment ça se passe au niveau du gameplay et tout, mais après... Parce que là, les prochaines vidéos, ça va être quoi? Ça va être les jeux FMV, donc ça, il n'y a pas de problème.
Il y a aussi les OST de jeux vidéo, donc ça, petite sélection sympa. J'ai déjà le troisième Triforce en tête et il faut que j'attende en fait juste un colis. Ça va être sympa. Ça va me dédouaner de ne pas avoir fait de vidéos sur la musique Jap depuis un petit moment, donc j'en dis pas plus. Au niveau des reviews, ça va être bien. Il y a Phantasy Star, ça fait 1000 ans que je le tease. Il y a Tei Concerto, Super Ghouls and Ghosts. Super Ghouls and Ghosts qui est sûrement le prochain, ou Tei Concerto. C'est un des deux qui passe en premier, mais on va faire qui tout double. Sondage, très certainement. Non, même pas sondage. Pas sondage cette fois-ci. Je pense que ça va être l'un ou un des deux. Je vais juste me lever un matin, me dire, ok, ça va être lui. J'ai aussi Castlevania Order of Ecclesia. Puis on va vite enchaîner avec tout ce qui va être saison 5, en fait. C'est le truc, hein. Ça va vite. Hein. Ça va vachement vite. Mais voilà, ça demande un sacré temps de préparation. Surtout regarder attentivement les choses, surtout essayer de comprendre comment ça fonctionne tout, et puis bah voilà. On va être tranquille. On va être tranquille et on va pouvoir proposer des choses sympas à absolument tout le monde, même si effectivement c'est long. J'imagine même pas comment c'est long de faire une vidéo maintenant. Mais voilà, après, essayer de faire quand même des. Tu sais, comme j'ai pu faire pour la vidéo de présentation. Parce que c'est vrai que je l'avais teasé. J'aimerais bien la faire. J'ai peur qu'en fait, ça soit un peu OSEF, seul truc, ou que ça soit mal fait. Donc du coup, je me dis, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le fais et ça risque d'être un peu bancal, ou est-ce que je le fais pas et puis tant pis? J'hésite. C'est toutes les vidéos vraiment en roue libre, parce que je connais le début, je ne sais pas la fin. C'est terrible, ça. C'est vraiment terrible de savoir exactement quand est-ce que tu dois t'arrêter, et surtout la durée de la vidéo. Parce que ça va être pas des vidéos qui vont durer 30 minutes. C'est pas possible. À moins que je parle vraiment beaucoup et que vraiment je dis tout ce que j'ai sur le cœur, mais ça m'étonnerait. Donc il faut vraiment que j'arrive à trouver une ligne directrice, vraiment avec un propos qui soit vraiment bien détaillé. Donc toujours très compliqué. Toujours très compliqué comme ça, puis. On essaye de faire des trucs, quoi. On essaye de faire des trucs. Mais enfin. Est-ce que vous avez encore un truc à raconter ou est-ce que vous avez rien du tout à dire? Si tel est le cas, je vais pouvoir partir vers d'autres horizons. Donc voilà, au niveau des lives, on va continuer Monster Boy, ça c'est clair et net. On va essayer de le terminer assez rapidement, parce que c'est vrai qu'on a encore beaucoup de choses de prévues derrière. On a du, on a le Looney Tunes Alerte aux Martiens qu'on doit faire sur Game Boy Color. On a un jeu Amiga aussi. On a Terranigma juste derrière. C'est pour ça aussi que je me dis putain, faut peut-être regarder rapidement. Pour faire GoldenEye, là, en mars, pendant les mercredis. Puis après, voilà. Après, voilà, ça va aller vite. Ça va aller vite et vivement que je retrouve, en fait, mes mercredis après-midi. Comme ça passera un peu mieux. Je pourrai, évidemment, décaler comme il se doit tout. Puis, voilà. Si, ouais, effectivement, si je peux jouer Hogwarts Legacy, let's go. Let's go, après, dans mon entourage. Il n'y a que mon oncle qui l'a et... Je le vois pas très souvent, mon oncle, donc... Sinon, j'y jouerai sur PC. Et j'ai peur que mon PC ne le supporte pas plus que ça, donc... À voir. Mais je dois le faire. Ça, c'est sûr, instinct. Je dois au moins y jouer, au moins le découvrir, au moins voir à peu près c'est quoi le truc. Et juger aussi. Beaucoup juger les maisons, voir à peu près comment ça se passe. Et puis voilà, mon fin. Bah, messieurs, dames. On va pouvoir se quitter là-dessus. Donc, pour ceux, évidemment, qui sont encore là, n'hésitez pas à sub à la chaîne, ça fait toujours plaisir, ça permet de faire des belles petites choses extrêmement sympathiques. Surtout que plus vous êtes nombreux à sub, et plus cette petite barre, elle augmente énormément, donc n'hésitez pas. Bien entendu, on est sur YouTube, on fait pas mal de choses à droite à gauche, des vidéos complètes, des vidéos assez courtes, des rediffs de live, et ça dépend un petit peu du sujet que vous cherchez. Puis, évidemment, il y aura toujours du fun, de la bonne humeur, et... par moment, des skills, même si ça manque un petit peu. Bref, messieurs, dames, je vous souhaite de passer une excellente semaine. On se revoit ici ou ailleurs pour de nouvelles aventures. C'était Ozaki, et surtout, je vous dis à tout bientôt. Allez, bye bye tout le monde!